Alléluia. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous avons raison pour nous dire mon Dieu merci. Si je dis à la nous vivant, va, que nous avons souffle, nous avons respiré. Il y a des gens qui t'a remis la matin, mais qui n'ont pas de possibilité pour eux là. Ou même si bon Dieu fait grâce, ou là, vous venez dans la place, vous venez adorer, vous dire merci. Pour c'est normal pour nous dire merci avec tout que nous, avec tout amour. Mandez-nous assembler à capable. Aidez-nous chanter musique ça. C'est comme si son prière que nous pourrions faire dans la musique qui dit m'abandonner dans mes mains. Moi renoncer à tête moi. M'abandonner, non mais renoncer à tête moi. M'abandonner, non mais fais-moi genre. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle que volonté pas passé. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle, fais-moi chanter. M'abandonner, non mais, renoncé à tête moi. M'abandonner, non mais, fais-moi chanter. M'abandonner, non mais, renoncer à tête moi. M'abandonner, non mais, fais-moi chanter. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle que volonté pas passé. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle, fais-moi chanter. M'abandonner, non mais, renoncer à tête moi. M'abandonner, non mais, fais-moi chanter. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle, que volonté pas passé. Jésus m'a renoncé à tout ça, m'te vle, fais-moi chanter. Vive j'en vle, c'est ça qu'aime désirer. Fais-moi j'en vle. Totalement bon Dieu, vive j'en voulais, c'est ça qu'aime désirer. Fais-moi j'en voulais, totalement bon Dieu, vive j'en voulais, c'est ça qu'aime désirer. Fais-moi j'en voulais, totalement bon Dieu. Totalement, totalement, fais-moi j'en voulais. Totalement, totalement, fais-moi j'en voulais. M'abandonner, non mais. Renoncer à tête moi, m'abandonner, non mais, fais-moi chanter. M'abandonner, non mais, renoncer à tête moi,
m'abandonne nan men, fè mwen jan ouvre. Avec même esprit ça, on avait invité Frère Wilner pour prier introduction. Invité à ouvrir Bibou ensemble avec moi dans le psaume 27. On en mettait debout pour nous aller ensemble le psaume 27 à la gloire de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Merci, veuillez vous asseoir. Couvrez vos fronts pour la prière. Éternel des armées, ou même qui pire dans le ciel, Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants envers toi ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que nous avons. Merci parce que ou permettre nous te coucher hier soir, mais encore matin, on peut être réveillé. Inconscient, nous t'abdomen, nous pas contre ça que t'as passé, nous. Nous te plongé dans le profond sommeil. Pendant ce temps, nous pas connaît combien manœuvres ennemi en fait pour ne pas te lever matin. Nous pas connaît combien gymnastique il fait pour te tout partir avec nous. Mais, ou fait nous grâce, ou permettre nous lever matin, Seigneur. Côté n'a commémoré date ça Seigneur qui c'est la réforme. Merci parce que bon chance ça vous permettre nous venir dans temps de très tôt pour nous apprendre et mettre nous pour adorer au Seigneur en esprit et en vérité. Donc on est Seigneur ou pas besoin d'une adoration qui pas venir de tout cœur nous. Ou venons tout nous mêmes Seigneur, tout corps nous, tout âme nous, tout l'esprit nous, fait que nous disposés et disponibles pour nous bailler une adoration sans pareil matin Seigneur. Merci pour chaque frère, chaque soeur qui est déjà là dans ton pas, Seigneur. Et ça, qui se route là, qui est venu, qui est en retard. Fais en sorte que l'ennemi n'a pas et détourné. Fais arriver ici de l'ambien. Pour qu'on ensemble, fais monter vers vous-même. Hymne de gloire, nous, hymne cantique, nous, Seigneur. Fais ça pour nous, Seigneur. Notre nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On va continuer avec ce service-là. Là. 219 français, chant d'espérance. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie.
je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie, victoire, force, bonheur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus, en nous crier victoire, victoire. Honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la main de cachet, puis seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée.
jusqu'à son trône. On nous dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Toute la gloire est à Dieu, tout l'honneur est à lui. Il est digne de louange, digne d'exaltation. Nous crions gloire, gloire à l'Éternel. Je vous invite à fermer vos yeux. Nous allons rapprocher devant le trône de la grâce. Les enfants, silence. Et les yeux fermés. Le cœur ouvert pour approcher devant Dieu dans cette dimension de prière. Gloire, 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 gloire au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Seigneur Dieu puissant, nous élevons ton nom bien haut. Nous proclamons ton nom car tu en es digne. Digne d'être glorifié. Digne d'être élevé. Digne d'être proclamé. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et les derniers. Il n'y en a pas avant toi, il n'y en aura pas après toi. Ce matin, nous te couronnons de gloire, roi des rois. Nous te couronnons d'honneur et de louange, car tu en es digne. Merci pour ce que tu es dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait en nous. Merci pour ce que tu feras dans les jours à venir. Seigneur, ce matin, nous nous approchons devant ton trône pour implorer ta grâce, pour implorer ton pardon. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous avons péché par tous les moyens. Péché par pensée. Nous avons péché par nos paroles. Nous avons péché dans notre imagination. Nous avons péché, Père Saint, à travers nos gestes, à travers nos comportements. Mais Dieu puissant, tu es le seul à être capable de nous pardonner. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne ton Église ce matin. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Pardonne tes enfants ce matin. Nous reconnaissons, Père Saint, que nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin que tu nous pardonnes. Nous avons besoin que tu nous fais grâce. Nous avons besoin que tu nous fasses miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne ton Église, Seigneur. Nous ne pouvons pas rentrer dans ta présence, dans l'état où nous sommes, sans ton pardon. Tu es un Dieu saint, un Dieu qui ne joue pas, un Dieu qui ne prend pas plaisir au péché. Seigneur, ce matin, pardonne-nous. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos péchés. Chacun de tes enfants, ici présent ce matin ou à distance,
qui a les yeux fermés, les cœurs ouverts, ont besoin de ta grâce, ont besoin de ta miséricorde, ont besoin de toi ce matin. Notre Église a besoin de toi ce matin. Notre Assemblée a besoin de toi ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, c'est du social. Sans toi, c'est un club où nous nous rencontrons. Et nous avons besoin de ta présence ce matin. Fais-nous cadeau ta présence. Fais-nous cadeau ta grâce. Fais-nous cadeau, oh Dieu, ta touche ce matin. Fais-nous sentir ta présence dans ce lieu. Fais-nous sentir ta présence qui circule dans cette salle, qui nous touche, qui nous relève, qui nous pardonne, qui nous guérit, qui nous transforme, qui nous guide. Fais-nous sentir ta présence, Seigneur, ce matin. Père, nous élevons devant toi cette communauté que tu connais mieux que nous. Tu connais les tréfonds de cette communauté, tu connais les besoins de cette Église, tu connais nos attentes, tu connais nos désirs, Seigneur. Ce matin, nous te demandons de prendre le contrôle de ton Église. Conduis ton Église là où tu veux. Conduis ton peuple là où tu veux, Seigneur. Amène-nous dans la dimension où tu veux, Seigneur. Purifie-nous et donne-nous la vision de ton règne. Donne à ton Église la vision de ton royaume. Donne à ton Église la vision de ton règne, Seigneur. Quand nous proclamons que ton règne vienne, que nous puissions réaliser de quoi il s'agit. Seigneur, pardonne, touche-nous, Seigneur. Et ouvre nos yeux, Seigneur. Les différents compartiments de cette Église, les différents secteurs de cette Église sont entre tes mains, Seigneur. Les dames de l'Église qui préparent leur rallye pour dimanche prochain, que tu puisses, Seigneur, avec elles dans leur fin préparation, que tu puisses inspirer celui, celle qui va apporter la parole, que tu puisses accompagner les différents groupes, les différentes églises, probablement qui vont être avec elles ici, Seigneur, que tu puisses planifier pour elles l'accomplissement, la réalisation, la matérialisation de ce programme. Seigneur, bénis ton Église qui va les accompagner et incite à ton peuple d'être présent pour la proclamation de ton nom. Seigneur, nous élevons devant toi les hommes de cette Église d'y travailler dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie spirituelle, afin qu'ils puissent, oh Dieu, être à la hauteur de tes attentes. Bénis leur foyer, bénis leurs épouses, bénis leurs enfants. Sois avec eux, Seigneur. Nous élevons devant toi nos jeunes filles, nos jeunes garçons de cette communauté. Que ta main soit sur eux. Que tes yeux soient sur eux aussi. Que tu puisses les guider, les accompagner. Que tu puisses les renouveler, renouveler ton amour. Les renouveler, ô Dieu, ta grâce, ta bénédiction. Les renouveler, ta miséricorde, Seigneur. Il y en a qui ont besoin de ta présence dans leur vie, jour après jour, à l'école, au collège, à l'université, au travail. Il y en a qui ont besoin d'une touche de ta part, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent avancer vers l'avant. Il y en a qui ont besoin d'un réveil dans leur vie spirituelle, afin qu'ils puissent renouer avec toi en termes de relations, en termes de communication. Il y en a qui ont besoin d'une grâce, d'une visite de ta part, Seigneur. Visite nos jeunes filles, visite nos jeunes garçons. Et fais la provision nécessaire pour eux. Prépare pour eux, Seigneur. Prépare pour eux, Seigneur. Nos adolescents sont entre tes mains. Nos enfants sont entre tes mains. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ta bénédiction. Dieu puissant, bénis-nous ce matin. Dieu puissant, touche-nous ce matin. Père, bénis, oh Dieu, l'équipe qui conduit ce louange, ce temps d'adoration. Que tu puisses inspirer, oh Dieu, ton serviteur qui conduit cette adoration. Les solistes qui l'accompagnent, les musiciens. Qu'ils puissent être, oh Dieu, sous la poussée de ton Saint-Esprit. Qu'ils puissent être, oh Dieu, à la hauteur de la louange que tu attends de nous.
qu'il puisse être, oh Dieu, et se livrer à toi seul, et tout entière, afin qu'il puisse être un instrument entre tes mains, que tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Seigneur, prends le contrôle de ce podium, que ta présence soit dans ce lieu. Prends le contrôle de ces strates, Seigneur, que ton onction soit dans ce lieu. Prends le contrôle de cette assemblée ce midi, que ton onction soit dans ce lieu. Car là où est ton onction, il y a de la bénédiction, il y a de la grâce, Seigneur. Bénis-nous ce matin. Bénis chacun de tes enfants qui se trouvent dans la salle. S'ils sont arrivés ici avec un découragement, Seigneur, nous t'en prions de leur encourager. Avec une faiblesse, nous t'en prions, Seigneur Dieu, de leur donner de la force. Avec de l'incertitude, Seigneur, nous t'en prions de leur donner la certitude. Avec du doute, Seigneur, nous t'en prions, oh Dieu, d'augmenter leur foi. S'ils sont arrivés ici avec de la maladie, Seigneur, nous t'en prions, oh Dieu, de les guérir. S'ils sont rentrés ici avec un problème de dimension incontrôlable, nous t'en prions, Seigneur Dieu, de résoudre ce problème. Car il n'y a rien qui est impossible à toi. Rien. Seigneur, ce matin, étends ta main sur ton Église et nous bénis et nous fortifier. Étends ta main sur ton peuple. Ceux et celles qui sont malades à leur maison, tu leur connais. C'est Immaculée est entre tes mains qui a été opérée hier matin avec Dieu dans une orteille. Seigneur, nous t'en prions d'accompagner cette servante. Ça n'a pas été facile pour elle dans les derniers jours. Et nous avons cette conviction que tu es là et tu as été là et tu seras là avec elle, Seigneur. Bénis aussi Sœur Vanita à la maison, Seigneur, qui est alitée aussi. Bénis tant d'autres, Seigneur Dieu, qui ne sont pas en santé, mais qui sont probablement dans la salle ce matin. Nous t'en prions de les toucher, de les restaurer, de les fortifier. Visite, Seigneur Dieu, chaque personne qui se trouve dans une situation oh Dieu, qui a besoin d'une touche spéciale de ta part. Étends ta main sur nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté. Étends ta main sur nos frères et nos sœurs qui sont en attente d'une décision d'immigration. Étends ta main sur nos frères et sur nos sœurs qui font face à des grands défis. Étends ta main, Seigneur, sur nos frères et sur nos sœurs qui ne savent pas à qui se fier, qui ne savent pas où aller. Mais, Seigneur, nous les encourageons à aller vers toi seul. Père, bénis-nous ce matin. Bénis notre nation qui vit des jours sombres. Chaque jour, il y a deuil. Chaque jour, il y a assassinat. Chaque jour, il y a kidnapping. Mais oh Seigneur, dis un mot pour nation ça. Dis un mot pour Haïti, Seigneur, qui a besoin de toi. Dis un mot pour Haïti qui a besoin d'une touchée de toi, Seigneur. Parle pour notre nation. Parle pour notre peuple. Parle pour notre communauté, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous attendons beaucoup de toi. Nous avons besoin beaucoup de toi. Bénis le Canada, le Québec, le pays qui nous reçoit. Agis dans les cœurs des dirigeants de ces pays, qu'ils puissent être, oh Dieu, conscients de leurs responsabilités, mais de leur influence aussi sur les autres parties du monde. Seigneur, ce matin, je prie pour le dirigeant haïtien, M. Ariel Henry. Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir les yeux de ce serviteur, ouvrir les yeux de cet homme, afin qu'il réalise dans quel état se trouve la nation qu'il dirige, afin qu'il réalise dans quelle dimension, dans quelle profondeur, dans quelle descente se trouve la nation qu'elle dirige, qu'il dirige, Seigneur, et qu'enfin qu'il prenne une décision pour libérer cette nation, pour libérer ce pays, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, les familles qui vivent dans sur cette terre d'Haïti, bouleversées, troublées, gen pas gen de l'eau pour yo boire. Tout chaque membre Haïti qu'on y a tourné en mendiant, qui a mendé toute journée. Peuple nous en devenir mendiant. Force situation difficile. Seigneur, maintenant, dis un mot pour nation ça. Dis un mot. Dis un mot pour peuple ça, qui a vécu des jours, qui n'ont pas fait rien pour ça. Mais probablement, c'est leurs dirigeants, leurs pays amis qui ont mis cette situation comme ça. Mais agis, Seigneur. Dis un mot. Ou capable, Seigneur, leur parler l'éternité envahie. Leur parler l'éternité envahie. Leur parler l'éternité envahie. Leur parler l'éternité envahie.
parlez pour Haïti, parlez pour nation nous, parlez pour pays nous, parlez pour peuple nous, parlez pour peuple nous, Seigneur, parlez pour nation nous, Seigneur, qui besoin d'entendre un mot de vous, parce que l'on parle, l'éternité envahit. L'on parle, ça dit à bouchou, il fait ou fait avec main. Parlez pour nation nous et agis pour nation nous, Seigneur. Bénis-nous matin. Ben nous avons parole dans la prédication matin. Et ben nous avons cœur disposé à attendre et à suivre parole et à méditer parole. C'est cri que nous nous adressons à vous matin. C'est parce que nous avons dit, maintenant, notre petit Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Et le ministre, qui... cet esprit bon Dieu dit pour me dire non, fait que nous content. Fait que nous content. Parce que chaque fois que nous avons une possibilité pour nous venir dans le temple, pour nous chanter, chanter. Parce que chaque fois que nous chantons, c'est une force qui nous donne la faiblesse. C'est chaque fois, quel que soit côté nous, nous chantons, nous dans le cœur, nous chantons. Même dans notre travail, là, chantons. Parce que, moi, quand on qui dit, chaque fois chanter, c'est prier ou prier deux fois. Avec des depuis chanter, à venir chanter. Nous venons là pour nous chanter, en nous chanter, en nous bailler gloire à Seigneur noir. Amen. Nous avons invité c'est Stéphanie qui va passer pour faire lecture. Assemblée est capable de mettre debout. Alors, ce matin, la lecture va être faite dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Nous allons lire les 14 versets, donc Éphésiens chapitre 6, du verset 1er jusqu'au 14e verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec la crainte et le tremblement, dans la simplicité de vos cœurs, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font du bon cœur, de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur. Toute gloire
c'est pour Seigneur. Toute la nature, ou d'aime comment ou grand, grand, extraordinaire. L'aller plus loin, sous dernier bout de la terre. Tout doit, c'est pour Seigneur. Toute la nature, montrez comment ou grand, grand, extraordinaire. L'aller plus loin, c'est dernier bout de la terre. On est louange, c'est pour Seigneur. Toute la nature, vous voyez comment ou grand, grand, extraordinaire. L'aller plus loin, ce dernier bout de la terre. On est louange, c'est pour Seigneur. C'est ça m'connais. La vie a pas de sens pour moi. Moi te fin perdu tout espoir. Diable a dit pas qu'à jamais. Jésus levé les vies à vous moi. Si pas ta chanté, connais moi ta plus malheureux. Chante, oui chante. C'est ça qu'aime désirer. Alloué-li, honoré-li, exalté-li, l'ignore, l'exemple, et lui s'en va. On est loin, c'est bon, Seigneur. Alléluia, non moins béni, non haut. Seigneur, alléluia, non point béni, non. Même sans oiseaux, le rap chanté, quand est bon Dieu, sous toutes les bois, quand ça n'a moins content chanté, côté passé, tout ça qui n'a moins honoré, ma moto sous mon kibiwo. Pour me chanter un cantique nouveau avec Zangio qui dans ciel là. Si pas ta chanté, connais moi ta bimbalé. Chante, oui, chante, c'est ça qu'aime désirer. Si grand, périssant, on est louange, c'est vous, Seigneur, alléluia, la moins bénie en haut, on est louange.
côté m'passé. Tout ça qui n'a moins élevé. Ma moto sous mon guipiro. Pour me chanter un cantique nouveau. Avec un jour qui n'en sait là. Si m'a ta chanté. On est mon tapis malheureux. Chanter, oui, chanter. C'est ça qu'aime désirer. Anoueli, honoreli, exalteli, lima, lisima, elisama. On est louange, c'est mon Seigneur. Alléluia, non moins béni. Hey, le toucher, oh, le
pour conduire dans la prière ça. Et nous-mêmes qui prions par nous pour nous faire. C'est l'occasion ça pour nous porter toute prière, tout problème nous, toute maladie nous, remettre au bali. Parce que c'est celle-là même qui est capable d'aider nous porter toute chair nous. Oui, Seigneur. Si nous ne pouvons pas réaliser que vous touchez nous, matin, hein? Si nous ne pouvons pas réaliser que nous sommes présents ce matin, hein? C'est parce que nous ne sommes pas vraiment disposés pour nous chercher ou pour nous joindre. Nous commençons à nous dire merci, Père trois fois saint, pour grâce, pour privilège, pour toute fois saint. Pour faveur que nous pas mérité pour nous trouver dans la présence du Seigneur toute fois saint. Parce que monde que nous y est nous pas capable mener tête nous là et nous réaliser Seigneur matin hein, c'est pas une chance qui fait nous chita là nous camper dans la présence où. Mais c'est une grâce spéciale que vous faites à chaque serviteur, chaque monde qui est de passage matin, pour le trouver là. Et peut-être ça, nous avons gloire, nous avons honneur, nous avons action de grâce, nous avons exaltation, cher Seigneur, que vous-même seul mérité. Nous venons matin, venons nous présenter peuple devant Seigneur, toute fois saint. Pour qui habite Seigneur matin. Vous connaissez matin là, Seigneur. Gimoun là qui boit piscine là, Seigneur, toute fois saint. Cap dit même j'ai avec nous ça. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine pendant que l'eau est agitée. Parce que Pierre, coquille, Seigneur, toute fois saint. Faiblesse, handicap. Oh, toute fois saint, empêche elle peut camper. Même lorsque elle t'a gonflé bois, on chou bois pour t'as camper, n'est pas capable. Parce que pas de force, pas de énergie, Seigneur, toute fois saint, pour t'as levé la récolte. Mais maintenant, on connaît yo. Yo chaque qui l'a pas nous, Seigneur, toute fois saint. Maintenant, Seigneur, nous qu'est-ce que nous? Image ça, Seigneur, toute fois saint. Pour nous dire merci. Pour chacun, jeune qui l'a, Seigneur, comme je musique pour vous-même, Seigneur, toute fois saint. Nous connaissons, c'est pas vous-même qui mettez tête là, Seigneur, toute fois saint. Vous connaissez besoin de chaque qui l'a. De chaque qui l'a, Seigneur, toute fois saint. Vous connaissez, pendant le week-end, ça, c'est un côté où tu as dû fermer. Pour jouer musique, pour voltiger. Et pas la bouteille. Parce que ça, c'est plein de diable là. Et nous, Dieu, merci pour ça. Nous levons chaque jeune fille, Seigneur, toute fois saint. Même si là, qui est marié déjà, l'amour, Seigneur, toute fois saint. Vous connaissez qui est tentation qui devant au Seigneur, toute fois saint, maintenant. Nous demandons, bah, aux forces davantage. Pour qu'on va briser le pied au Seigneur, toute fois saint. Et pour qu'on ait de gloire, pour qu'on ait de délivrance. Pour déjà accorder au Seigneur, toute fois saint. Chaque bien-aimé qui l'a assemblé à Seigneur, toute fois saint. Vous connaissez ça endurer, oui, Seigneur, toute fois saint. Gain là, Seigneur, toute fois saint. Captain, une réponse. Dans l'immigration, il a écrit lettre sous lettre. Pas grand-chose, parti, Seigneur, toute fois saint. Nous sommes les serviteurs qui chantaient prière encore et sans réponse. Mais voilà. Il y a tant jusqu'à ce que vous fassiez jour sous dossier à Seigneur, toute fois saint. Oh, Mathieu, Seigneur, toute fois saint, nous levons chaque fois et bas, oh Jésus. Car nous connaissons très bien que malin, Seigneur, toute fois saint, qui est la target foyer au Seigneur, toute fois saint. Parfois, il est entré dans Maria. Parfois, il est entré dans le servant, Seigneur, toute fois saint. Parfois c'est dans Timoun, non. Il est entré, Seigneur, toute fois saint. Dans le jeune garçon, dans le jeune fille, Seigneur, toute fois saint.
pour le déranger cœur nous Seigneur Jésus fois saint. Pour faire ça qui mal Seigneur Jésus fois saint. Pour mettre amertume dans cœur nous Seigneur Jésus fois saint. Pour dérouter nous Seigneur du travail au Seigneur Jésus fois saint. Parce que on connaît les attaquer chef foyer, les attaquer servante dans Seigneur Jésus fois saint. Ces ministères ont attaqué Seigneur Jésus fois saint. Et là, nous avons dérouté comme ça. Les chaque famille ont dérouté. Fait que l'église au Seigneur les dérouté. Parce que la famille, au juste fois saint, l'église, c'est la grande famille. Et cette grande famille se compose de toutes les petites familles, Seigneur. Famille Baptiste, famille Germain, famille Jacques, famille Pierre. Et les chaînes dans le maillot sont comme ça. Fait que, oh Dieu, l'église ou désorganisée. Mais, matin ça, oh Dieu, dans la minute ça, Seigneur, dans la seconde ça, quel que soit le chemin qui s'est passé, nous déclarons que l'anathème avec tout allié lui. Et l'église ou, qui victoire. N'a pas d'autant prix. Entre dans le foyer, entre dans chaque famille, Seigneur, je te vois ça. Prends place, Seigneur, je te vois ça. Oh, je te vois ça. Entre dans le jeune, Seigneur. Entre dans le mari, entre dans la madame, Seigneur, je te vois ça. Pour que l'église, Seigneur, je te vois ça, capable d'être fort. L'église, capable d'être puissante, Seigneur, je te vois ça. L'église, capable de marcher de progrès en progrès, Seigneur, je te vois ça. Et jusqu'à ce qu'on capable de retourner. Pas avec nous, Seigneur, je te vois ça. Vous connaissez le monde qui l'a, Seigneur, je te vois ça. Bien aimé qui l'a, Seigneur. Soit qui a un problème dans le travail. Soit qui cherche un travail, Seigneur, je te vois ça. Qui l'a, Seigneur, je te vois ça. Qui a un problème. Qui l'a foyer, qui a un problème. Qui l'a l'esprit, Seigneur, je te vois ça. Il n'y a pas de route pour sortir, Seigneur. Qui l'a, Seigneur, je te vois ça. Qui a dormi, Seigneur, je te vois ça. Pendant tout le monde a gonflé. Mais vous-même, j'ai au calé, Seigneur, je te vois ça. Vous avez un bagage qui a dominé, Seigneur, je te vois ça. Nous réclamons la paix pour vous, Seigneur, tout fois. Parce que Paul dit, mais quand nous quittons, nous en dehors, rien, mais dans toute bagaille, il faut confiance, Seigneur, tout fois. Oh, tu te vois, Seigneur. Papa, avec nous, matin, dirigez-nous, Seigneur, tout fois. Papa, nous demandons ton prix, prends contrôle, peuple pour Seigneur, tout fois. Accordez-nous des témoignages nouveaux, Seigneur, tout fois. Fais-nous grâce, Seigneur, tout fois, pour nous battre tout le temps à peu de plein. Mais pour nous réjouir dans la présence de Seigneur, je te vois ça. Parce que là, nous sommes dans la présence, nous nous réjouir. Mais non seulement nous là, mais nous sommes là, quand nous sommes là, quand nous sommes passés, pour nous jouer ça sur le visage de Seigneur, je te vois ça. Fais-nous grâce, Seigneur, je te vois ça. Pour les problèmes, ça n'a pas les problèmes, pour nous marcher sur le Seigneur, je te vois ça. Pour nous triompher sur le Seigneur. Mais avec force, pas nous, nous ne sommes pas capables de faire ça. Que pitié pour nous, Seigneur, je te vois ça. Mais peuple bas au Jésus, pourquoi nous projet nous au Seigneur Jésus fois saint? Nous besoin côté pour nous à l'aise. Nous côté pour classe école dimanche, Karaba, au Jésus fois saint, aligné Seigneur Jésus fois saint. Nous besoin côté pour les dames de l'église qui travaillent. Nous besoin côté pour les hommes de l'église qui travaillent Seigneur Jésus fois saint. Nous besoin espace Seigneur Jésus fois saint. Mais dans la parole où nous lisons Ecclésias, il dit l'argent fait tout. Au Dieu de foi saint. Mais parole nous dit, l'argent, l'or, c'est pour lier, Seigneur, Dieu de foi saint. Au Dieu de foi saint. Banque, c'est pas, Seigneur, Dieu de foi saint. Toute terre, c'est pas, Seigneur, Dieu de foi saint. Au Dieu de foi saint. Mais nous besoin l'argent. Et maintenant, nous disons merci. Est-ce que vous voyez l'argent pour nous-mêmes, Seigneur, Dieu de foi saint? Est-ce que vous voyez l'opportunité pour nous, Seigneur, Dieu de foi saint? Est-ce que vous voyez grâce pour nous en abondance? Merci Seigneur pour place ça à côté de l'IA. Place ça où déjà mettez saut sur l'IA. Nous disons merci pour lui. Et nous disons merci. De ce que nous entrons là-dedans, Seigneur, je te vois, Seigneur. Nous sommes capables de laïter comme nous, Seigneur, je te vois. Merci pour ça. Nous bénissons. Nous glorifions nos Seigneur, je te vois, Seigneur. Papa, nous disons merci pour toute vide qu'il a à matin, qu'on a déjà comblé. Nous disons merci pour toute requête qu'il a dans l'assemblée. Oh, je te vois saint. Ou déjà exécuté, ou répondre à vous-même, Seigneur, je te vois saint. Et c'est pour être ça, matin. Nous seulement voulons bon gloire. Remerciement pour ça, Seigneur.
Mais c'est fils d'accord pour ce Seigneur du Trois-Saint. Message qui va prêcher Seigneur là, non, Seigneur du Trois-Saint. Fait que chaque cœur qui a Seigneur du Trois-Saint va soutenir avec une provision dans l'âme du Seigneur du Trois-Saint. Fait que chaque monde qui entre là, pas sorti même j'ai été entré là, Seigneur du Trois-Saint. Et nous croyons ça. Et nous, on déjà fait le Seigneur du Trois-Saint. C'est Victoire qui va prêcher. Nous allons nous demander au temple. Vont provision spéciale matière. Remplis-le, au Dieu du Trois-Saint, avec action, Seigneur du Trois-Saint. De façon que Seigneur du Trois-Saint, nous capables d'animer de nouvelles décisions, Seigneur, dans la vie de Seigneur. Fais-nous grâce à. Bénis chaque bagage qui peut faire ça, Seigneur du Trois-Saint. Bénis chaque bénémoine qui l'a pour exécuter ce service. Et toute grâce à nous demandons au Seigneur. Pas que nous n'avons aucun mérite matin, tout nous demandons avec pardon péché nous. Notre petit Jésus-Christ sauve-nous, qu'à vivre, qu'à régner, depuis qu'on y a, et pour tout le temps. Amen. Amen. Est-ce que nous croyons que c'est un champion? Est-ce que nous croyons que c'est un champion? Est-ce que nous croyons que nous sommes un champion? Si nous croyons que c'est un champion, nous allons chanter la musique ça qui dit nous sommes un champion. Parce que nous sommes têtes. Chanter à dire nous c'est tête pour pas que j'aime tout. Moi créé non, image bon Dieu, moi créé pour dominer. Mwen gen nan mwen nati bon Dje, oui mwen se pitit bon Dje. Mwen sou la te ak yon manda, bon Dje voye tou champion. Mwen pa monisit mwen sot an o, tout sa mye soti an o. Tout sa mye soti an o. Mwen se tèt mwen pa jam ke, mwen an o mpa jam an ba. Mwen pa yon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni lèm nan vila. N'importe sezon mwen pa beni. Se mon Dje fè mwen sa, mwen beni. Mwen se tèt mwen pa jam ke, mwen an o mpa jam an ba. Mwen pa yon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni lèm nan vila. N'importe sezon mwen ma beni. Se bon Dje fè mwen ma beni. Mwen se tèt mwen pa jam ke, mwen an o mpa jam an ba. Mwen pa yon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni lèm nan vila. N'importe sezon mwen pa beni. Se bon Dje fè mwen sa, mwen beni. Kote pa viv la, pa defini. Jan mwen dweye, ekspwa mwen fè. Kwayans mwen se, pi gwo fos mwen. Jam kwen la, kon salvaye. Jam til la, kon salvaye. Mwen se tèt mwen pav jam ke, mwen an ron pav jam an ba. Mwen bayon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni lèm nan vila. Mwen pot se zon mwen va beni. Se bon Dje fè mwen beni. Se tèt mwen pa jam ke, mwen an ron pa jam an ba. Mwen pa yon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni lèm nan vila. N'importe sezon mwen pa beni. Se bon Dje fè mwen beni. Se tèt mwen pa jam ke, mwen an ron pa jam an ba. Mwen pa yon pedan, mwen son champion. Mwen beni an deyor, mwen beni an la vila. Mwen pot se zon mwen pa beni. Se bon Dje fè mwen sa, mwen beni. Mwen beni, mwen beni.
moi son champion, moi béni, moi son champion, moi béni, son champion, avec ce service là, on a pas de Mons Fabio qui va passer pour recueillir offrande assemblée avant. C'est Stéphano qui va prier pour vous. Parce que nous venons de passer un moment extraordinaire en ta présence, cher Seigneur, dans l'adoration, cher Papa, où nous exprimons, cher Seigneur, vocalement, nous exprimons, cher Seigneur, musicalement, les bontés envers nous, cher Seigneur, et nous avons aussi déposé des requêtes devant tes pieds. Voici le moment, cher Seigneur, que nous puissions t'adorer avec nos dons et nos offrandes, cher Seigneur, que tu puisses, cher Papa, bénir cette assemblée, cher Seigneur, les donner, cher Seigneur, l'encouragement pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ton travail, cher Seigneur, et qu'ils puissent donner, cher Seigneur. Et s'il y a dans la salle, cher Seigneur, qui ne sont pas capables de donner à cet instant-ci parce que les difficultés ne les permettent pas, Seigneur, nous prions que tu puisses frayer un chemin pour eux, cher Papa, pour que la prochaine fois, qu'ils puissent rentrer dans ton temple, cher Seigneur, avec des offrandes et des dons en guise de remerciement et de témoignage envers toi. Nous te prions parce que nous sommes dignes, mais ton fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. On continue avec ce service là, numéro 2, gloire à l'agneau. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Amen. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon Seigneur. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Il fait tout puisque je l'aime. Concourir à mon Seigneur. J'ai pu quoi? Son amour ne change pas jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera. Oui, j'ai vu quoi,
change pas, jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera mes pas. Je dis quand il me trouvait, demandais-tu recevoir. Et voici qui cherche trouver, à qui voir bon ouvrira. Des fois, quand vous êtes comparé l'amour, bon Dieu, pour nous avec l'amour ou maman qui a une petite, mais l'on réalise qu'on a une maman qui fait 9 fois une petite dans votre vie. Elle a couché, elle met dans un sac, elle met dans son poubelle. T'as compris? Elle avait dit comme si faut nous, ouais, l'amour, bon Dieu, il sent pareil. Il n'est pas pareil, il n'est pas comparé. Ça, c'est même l'envie, yes, ou il dit, il a marché avec vous. Amen. Alléluia. Crions merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Mon remède au Seigneur. Mon remède au Jésus. Mon remède au Jésus. Mon remède au Jésus. Amen. 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 Content de vous voir ce matin, dimanche après dimanche. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir ici dans ce lieu. Que Dieu puisse déverser sa grâce et sa bénédiction sur vous en abondance, avec grâce, hein, pour les jours à venir, pour les heures à venir. Amen. Amen. Nous saluons la présence de chacun de vous et que vous soyez ici pour la première fois ou bien pour la énième fois. Nous sommes contents que vous êtes là. Hein? Nous sommes contents que vous êtes là et nous apprécions beaucoup votre présence. Nous voulons prendre le temps pour saluer ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois et nous sommes contents qu'ils sont là. Et merci. Merci d'être là. Pour adorer le Seigneur avec nous. Nous voulons saluer notre frère Ronel Potier. Ça va bien? Fais un petit campé pour l'église. Kababoué aussi au Kwasavon dans la rue, au moins au cas. Salut. Frère Ronel, adoré avec nous matin. Il est invité par frère Oscar, serviteur qui a dirigé le service. Non? Nous apprécions présence ce matin, frère Ronel. Frère Ronel, vous avez un bagage ou t'as dit non? Non. Maintenant, après le service, pas trop pressé. D'agon ti parler pour me faire ensemble avec vous. Vous pas pressé aller? C'est beau. Nous t'affrontons ti causer ensemble à la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez apprécié, frère Ronel, apprécié présence? Amen. Amen. Frère Ronel, il faut cadeau chez ou chita. Vous mettez inscrit dans sous lit, mais pas la carou avec. Soyez bénis. Amen. Et vous oreilles ou bien, ça me dit là. Annonce que m'bral fait là, vous oreilles ou bien pour lui. Samedi prochain, 5 novembre, dans la nuit du samedi à dimanche, l'heure sera changée. Les vous aurez au grand. Dans la nuit de samedi pour rentrer dimanche matin, on va reculer réveil ouan, on va reculer montouan de 1 heure. Espérez, on va l'église à l'heure. Et si on recule la pierre, hein? Ça veut dire qu'on a une heure de plus de sommeil. L'aile minuit, l'aile 1 heure du matin, là, minuit. L'aile 1 heure du matin, là, minuit. Ça veut dire si vous êtes venu ici à 10 heures du matin, on va venir plus bonheur même. Et m'espérer ça. On dit samedi pour rentrer dimanche, l'heure a changé, on va reculer de 1 heure. Samedi pour dimanche, on va reculer de 1 heure. M'espérer, on va prendre note de ça. Et puis. On va faire changement ça comme ça doit à la gloire de Dieu. Ce soir, à 18h30, ça va être la répétition des hommes. À 19h, ça va être la répétition des dames. Mardi soir, nous sommes en prière sur Zoom. Nous vous attendons. Nous commençons à voir quelques monde qui va venir commencer à venir. Mais on se remarque ça. Nous avons beaucoup plus de monde sur Zoom le mardi soir. Même dans l'église en entier qui a prié. Le mardi soir, m'encourager, ou venez prier avec nous. Vendredi soir aussi, m'encourager, nous venez étudier la parole. On a étudié la parole, on a étudié Philippiens, chapitre 3, que nous finissons avec elle, Philippiens, chapitre 4. Vendredi soir, nous débattons 4 principes. Nous venons tourner sur vous. Et vendredi prochain, pour les gens qui étaient avec nous, yo. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 14, verset 15, jusqu'à 21, nous avons étudié vendredi soir. Donc, t'attendons. Venez avec nous à la gloire de Dieu. Donc dimanche prochain, 6 novembre, ça va être rallye des dames. Donc il y a tant de l'église en entier pour assister, pour venir supporter à la gloire de Dieu. Boîte semaine à l'éternel, Lila. Donc pas aller avec enveloppe comme ou potéan. Vous pouvez mettre le dans la boîte là, inscrire non sur l'enveloppe là, mettez semaine à l'éternel et puis déposer le dans la boîte là. À la gloire de Dieu. M'espérer gagner en pile enveloppe qui était potée après-midi, qui était potée matin, et qui va retourner, il est capable de déposer yo dans la boîte là. M'a rappelé pour si là yo qui intéressé à l'école du dimanche, surtout à faire partie de staff direction, hein, moniteur, coordonnateur, secrétaire, comité, etc. Nous invité yo dans 2 séances de formation, 19 novembre, 9h du matin à 1h.
et 10 décembre de 9h du matin à 1h ici. De dit annonce dans dimanche dernier, de dit monde qui est intéressé, vous voyez une invitation, il faut nous inscrire pour nous capable arranger ça. Bah une pièce inscription jusqu'à présent, moi était quoi peut-être annonce dans les pas de passer bien. On refait encore 19 novembre 9h à 13h, 10 décembre de 9h à 13h. N'attendons à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à chaque bien-aimé qui t'a célébré anniversaire pendant le jour de cette séance. C'est Rosemary, c'est Anne Germina Américain, frère Kervens qui t'a fêté anniversaire. Nous souhaitons un joyeux anniversaire. Sœur Gerline qui t'a fêté aujourd'hui. Hein? Joyeux anniversaire, Sœur Gerline. Que bon Dieu bénisse. Amen. Et nous espérons que bon Dieu fait grâce à Monsayo qui a célébré l'anniversaire au nouveau printemps et toute merveille bon Dieu capable de verser dans la vie à la gloire de Dieu. Et ce moment pour que nous entrions dans la parole, nous rappelons encore. Nous toujours une formule ça dans Katab Moyen chaque dimanche matin ou même qui est intéressé à faire partie des communautés ça, pas hésiter demander un formulaire comme ça avec Mme Spavio. Remplis-le pour nous et comme ça, nous va faire suivi avec vous pour capable et bienvenir un membre à part entière à la communauté ça, à la gloire de Dieu. Amen. Je demande à Timoun Noyo, capable de quitter ça là pour nous à l'instant, pendant qu'il n'a préparé que nous pour le message de la parole de Dieu. Amen. 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 Bien. Si vous êtes sorti, puis vous êtes capable de donner espace pour nous capables tranquille, vous entendez la parole. Gagnez qui est en vie, un grand cognac qui va monter encore, qui va aller en haut encore, qui va rester en bas, qui est en vie, un grand. Je m'a regardé tout le monde qui me présenté au temple, moi comment je suis grandi, me dit que je vieilli tout bon. Je suis vieilli tout bon. Je m'a regardé moi comment je suis grandi. Hein? C'est signe que je vieillis, pas vrai? Mais c'est signe que je prends l'âge. C'est signe que je prends l'âge. Hein? Amen. Être sur le tableau d'honneur de l'Éternel. Être sur le tableau d'honneur de l'Éternel. C'est la nouvelle série que nous commençons depuis quelques dimanches. Être sur le tableau d'honneur de l'Éternel. Dans les premières prédications, nous avons expliqué c'est quoi l'honneur, la différence qu'il y a entre l'honneur et le respect, entre l'honneur et la gloire. Nous avons expliqué ça. Et ensuite, nous avons regardé comment honorer Dieu directement. Comment honorer Dieu directement. Nous avons regardé ensemble, on honore Dieu directement en honorant sa maison, en ayant du respect pour sa maison. Nous honorons Dieu directement en se présentant devant lui correctement et humblement. Nous honorons Dieu directement en respectant son nom. N'utilise pas son nom de n'importe quelle façon. Nous honorons Dieu directement en obéissant à sa parole. Nous honorons Dieu directement en honorant le but pour lequel il nous a créés. Nous honorons Dieu directement en honorant notre corps. Il y a quelqu'un qui parle de mon corps. En honorant notre corps, nous honorons Dieu directement en mettant Dieu en premier dans nos richesses. Ça, c'était les sept façons d'adorer Dieu directement. Ce matin, je vais commencer un autre aspect dans cette série. Comment adorer Dieu indirectement? Quand on parle directement, ça veut dire ce qu'on fait touche Dieu. Quand on parle indirectement,
ce qu'on fait ne touche pas Dieu directement, il touche quelqu'un d'autre. Mais en touchant cette personne, en honorant cette personne, nous honorons Dieu. Voilà pourquoi je dis comment adorer Dieu indirectement. Ce matin, nous allons regarder ça. Nous allons honorer Dieu via notre parent, via nos parents. Nous allons honorer Dieu à travers nos parents. Probablement, il y a des gens qui sont ici et qui disent, mais je suis déjà adulte, pasteur. À quoi ça sert? Je suis déjà adulte. Probablement, mon père n'existe plus. Ma mère n'est plus vivante. À quoi ça sert ce message? À quoi ça sert ce message? Probablement, vous n'avez pas de parents. Probablement, vous n'avez pas de père, pas de mère, mais vous avez quelqu'un qui a investi dans votre vie, qui existe encore. Il y a quelqu'un qui a investi dans votre vie, dans vos démarches. Il y a quelqu'un qui avait travaillé fort pour que vous soyez là, qui existe hein? encore. Nous allons parler de comment honorer nos parents. Le texte qui a été lu, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, je vais mettre l'accent sur les versets 2, les versets 3, qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est la déclaration de Paul en Éphésiens chapitre 6. Mais Paul reprend ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament quand Dieu s'adressait au peuple d'Israël à travers les 10 commandements. Exode chapitre 20, le verset 12, où Dieu dit à la nation d'Israël, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dieu va répéter cette parole dans Deutéronome chapitre 5, le verset 16, où il disait, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné en Exode 20, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Entre Exode 20, verset 12 et Éphésiens 6, verset 2 à 3, vous avez remarqué le commandement reste le même. Honore ton père et ta mère. Le commandement reste le même, il ne change pas, mais la promesse est un peu modifiée. Regardez avec moi. La promesse est un peu modifiée. En Exode 20, il dit, « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Il fait référence avec promesse qui est obralée au Canaan. Donc, c'est en référence avec cette terre promise, eh bien, que Dieu fait allusion dans Exode 20. Mais en Éphésiens chapitre 6, le verset 2, le verset 3, il ne fait pas référence avec une terre promise. Il dit afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. Deux, premier élément. Deuxième élément, afin que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, cette loi ou bien ce commandement que Dieu donne n'est pas lié à la culture. Quand je dis lié à la culture, il y a des gens qui peuvent dire, écoutez là, ça c'est la culture nord-américaine, ça c'est la culture européenne, ça c'est la culture orientale, ça c'est la culture asiatique. Eh bien, cette loi n'est pas liée à la culture. Que vous arriviez en Orient, que vous arriviez en Occident, que vous arriviez en Afrique, que vous arriviez en Europe, cette loi existe, ce commandement existe. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas lié à la culture. Ce n'est pas lié non plus à un type de société. Pour dire que cette loi est liée à la société québécoise, elle n'est pas liée à la société haïtienne, elle est liée à la société française, elle n'est pas liée à la société américaine. Que vous veniez de n'importe quelle société, honore ton père et ta mère. Donc, peu importe la langue que vous parlez, peu importe les paroles que vous prononcez,
peu importe la culture que vous avez. Donc, ce commandement reflète presque toutes les cultures, en tous les lieux et à toutes les époques, à la gloire de Dieu. Donc, c'est un principe universellement reconnu. C'est un commandement que Dieu donne. Donc, selon lequel les enfants doivent honorer, doivent respecter leurs parents. Beaucoup d'entre vous qui se trouvent dans cette salle, vous êtes des adultes probablement, mais vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Parce que votre père existe encore. Votre mère existe encore. En sa présence, vous êtes toujours ses enfants. Oui, vous êtes toujours ses enfants. Et vous resterez encore ses enfants. Vous resterez encore ses enfants. Donc le parent, il a donné la vie à l'enfant. Mais l'enfant doit tout ce qu'il a au parent. Je reprends cette phrase. L'enfant doit tout ce qu'il a, tout ce qu'il est au parent. Ce que je suis aujourd'hui après Dieu, je le dois à mes parents. Mes parents. Ce que vous êtes aujourd'hui, après le Tout-Puissant, vous le devez à votre part, à vos parents. Vous le devez à vos parents. Et il est important de constater qu'il y a deux signes distincts de notre propre culture en relation, qui concerne les relations parents et enfants. Premier signe distinct, c'est que on constate une perte croissante de l'autorité de parents. Parents, ils ont commencé à perdre certaines autorités. C'est un signe qui marquait notre société. Deuxième signe, c'est manque de respect envers les parents. Donc, il y a une perte constante de l'autorité de parents. Il y a un manque de respect aussi envers les parents. Donc, perte d'autorité parent, l'y manifester de plusieurs façons. Parent qui absent, qui pas présent pour petit yo. Parent qui acceptait, mettait de côté, eh bien, autorité que bon Dieu bayo, puis yo adopté ça ne relève un style permissif, un style tout est permis. Parent qui acceptait, lever, eh bien, éduquer, ou pas dit éduquer, qui acceptait, lever des enfants rois. Des enfants reines, des enfants princes, des enfants princesses. Tout ce que l'enfant dit, oui. Tout ce que l'enfant dit, parent dit oui. Donc, ou perdu, ou laisser aller, ou abdiquer, en d'autres termes, cette notion d'autorité. Et tôt ou tard, on va payer ça quand même. On paye. Parce qu'il a fait honte dans la vie. Il a fait être honte, oui. Mais la foi, honte, comme parent. Ce commandement que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça touche l'aspect familial. Ça touche l'aspect familial. Mais je dois vous dire que la perte de respect et le manque d'autorité aussi lié, eh bien, aux parents, c'est des signes de fin des temps. Manque de respect aux parents, yo. Mais c'est un signe de fin de temps. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, verset 2. La Bible dit, mais notez bien ceci, de Timothée chapitre 3. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Les gens seront amoureux de l'argent. Les gens seront vantards, les gens seront orgueilleux, les gens seront injurieux. Le prochain dit, les gens seront désobéissants à leurs parents. Et quand on regarde ce texte de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, verset 2, on dirait que c'est la description même de l'Amérique au 21e siècle. On dirait que c'est les caractéristiques de l'Amérique, l'Amérique où nous vivons aujourd'hui, au 21e siècle. Mounio remet l'argent,
Il y a tué moun pou kob. Moun yo vanta, yo remè fanté sa yo ye, sa yo genye. Moun yo orgueye, moun yo injurye, et moun yo pa respecte paran yo. Donc, ça traduit une grande difficulté au niveau de la famille. Et c'est pour ça que chacun de vous, vous et moi, nous devons étudier la parole de Dieu pour trouver les réponses à certaines questions que la famille fait face. Je vous dis ce matin, ce commandement s'adresse à vous. Et ce commandement qui s'adresse à vous, il n'est pas tenu compte de la manière que papa et maman ont été traités. Vous êtes capable de dire, pasteur, eh bien, vous ne savez pas qui ça, maman et papa, me ont fait. Vous n'avez pas connu, pasteur. Oui, je n'ai pas besoin de connaître. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. La parole n'a pas dit, honore ton père s'il a été gentil. Honore ta mère si elle a été gentille. La parole dit, honore ton père et ta mère. Pasteur, vous ne savez pas comment mon père avait agi avec moi. Il m'a maltraité, il m'a mis dehors. Il m'a fait souffrir. Oui, vous avez raison de le répéter. Mais ça n'empêche pas de respecter le commandement de Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. Pasteur, si seulement vous saviez toute l'histoire. Un bagage, son petit bout de coco, on est dans l'histoire. Non, pasteur, pas contre tout bagage. Je ne sais pas toute l'histoire. Peut-être que je ne connais même pas votre histoire. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de clause d'exemption. Vous savez, une clause d'exemption, ça veut dire une loi qui existait, mais au bon bypass. Yo bon bypass, yo dit, mais on va besoin de respecter la loi ça. Yo bon clause d'exemption. M'a dit à travers la Bible, ces commandements, cette loi, prend dans l'Ancien Testament, répété dans le Nouveau Testament par Paul, il n'y a pas de clause d'exemption pour personne. La façon dont vous, vos parents vous ont traité en dit long sur eux. La façon papa ou maman ont été traités, oh. Ça explique qui moun yo teye ou bien yo ye. Mais façon ou même ou al traiter maman ou papa, ça explique qui moun ou ye. Et façon ou al traiter yo selon biblique, li pa dwe proportionnel par rapport à Jean ou te traite yo. Parce que sinon, on rentre dans la logique de la vengeance. Il faut faire attention avec ça. Un chrétien qui est rempli de l'esprit ne regrettera jamais d'avoir honoré ses parents, même si ses parents étaient des parents les plus déshonorants possibles. Il ne va jamais regretter. Même si papa ou maman ou témoin qui étaient déshonorants, il ne va jamais regretter soit honoré ou soit respecté. Et il n'y a pas non plus, je te parlais des clauses d'exemption. Il n'y a pas non plus de limite de temps en termes d'âge. Vous dites, pasteur, cette loi-là, ce commandement, on l'a donné pour les gens qui sont encore des enfants chez leurs parents. Moi, je suis adulte, je me suis marié, je suis chez moi avec mon mari ou bien mon épouse. Cette loi ne me concerne pas. Je vais vous dire une chose. L'obéissance, ça change clairement lorsque vous devenez adulte. Parce que la Bible dit, vous quittez ou s'attachez. Quittez, s'attachez. L'obéissance, ça change de paradigme. Mais l'honneur et la révérence sont des choses qui devraient littéralement durer toute une vie. L'honneur et la révérence doivent durer toute une vie. Toute une vie. Même si vous avez 40, 50 ans devant moi, papa, ou Gimbaga, ou pas de vraie chose pour faire. Et vraiment, moi, papa, au gros respect, gros honneur, gros besoin, gain, même si au sous-bâton, mais on gagne 60 ans. Même si c'est où qu'a promis, on peut aider au marché. Un bagarre, au besoin, respect. Respecter. À travers cet enseignement, j'ai choisi de le séparer en trois parties. Je sais que je ne le finis pas aujourd'hui. Je vais regarder avec vous les obligations qui viennent avec ce commandement. On va regarder les obligations. Après avoir regardé les obligations qui viennent avec,
On va regarder aussi et les violations. Comment on viole ce principe? Comment on passe à côté de cette loi? Comment on passe à côté de ce principe? Et en troisième lieu, on regardera les promesses, les bénédictions qui viennent avec ça. Ce matin, si j'arrive à regarder la première avec vous, la première partie, les obligations, j'accomplirai ma mission. Si j'arrive à regarder la première partie avec vous. Donc, on va regarder quelles sont les obligations qui viennent avec ce commandement. Quelles sont les obligations qui viennent avec vous? Les obligations qui viennent à ce commandement-là sont de deux parties. Il y a des obligations pour les enfants, il y a aussi des obligations pour les parents. Obligations pour les enfants, obligations pour les parents. Les enfants, si je prends les obligations qui viennent à ce commandement pour les enfants doivent honorer leurs parents, mais comment? Oui, on doit honorer les parents, mais comment? Comment faire? Comment on va honorer papa, comment on va honorer maman? La première chose qu'on est capable de faire pour honorer papa et maman, vous devez respecter la position sur vous en tant que parent. Vous devez respecter leur position sur vous en tant que parent. Respectez ça. La Bible dit dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'adressait à la nation d'Israël, en Lévitique chapitre 19, verset 3, la Bible dit, chacun de vous doit respecter son père et sa mère. Chacun de vous. Vous devez montrer votre respect envers vos parents par vos paroles. Vous devez montrer votre respect envers vos parents par vos gestes corporels. Vous devez montrer vos respects envers vos parents par votre attitude. Non seulement lorsque vous êtes en leur présence, mais aussi lorsque vous ne l'êtes pas. Aussi lorsque vous ne l'êtes pas. Vous avez encore des parents qui sont vivants? Comment on parle avec eux? Et des gens qui sont contents de parler avec papa, parler à maman, ils demandent à qui est-ce qu'ils parlent. Ce n'est pas parce que c'est eux qui ont mangé, je vous dis, qu'ils ont dit n'importe quoi. Ce n'est pas parce que le pain dépend de vous. Ce n'est pas parce qu'un doigt pour le dormir dépend de vous. Qui a un doigt pour parler avec elle, n'importe qui. Ce n'est pas parce que je dis, hein, eh bien, si le besoin de 10 gouttes, c'est au Kabalil qui a droit pour parler avec lui, n'importe qui. Maintenant, t'es tout. S'il n'y a pas de l'eau vive, vous n'êtes capable de vivre. Vous avez besoin de respecter position sous vous comme pas, comme parent. Ce n'est pas parce que je dis, hein, au grand monde, ou qu'il a fait 10 gouttes, il n'y a pas qu'il a fait 10 gouttes encore, qu'il faut frapper pied sous les jonvelets. Nous, non, je ne fais pas ça, je ne frapper pied. Mais il était maman ou il était papa. Peu importe auteur qu'on gagne, il était auteur ça. Il était maman ou il était papa. Comportement qu'on a besoin de gagner devant, on a besoin de faire avec beaucoup de respect. Respect dans la parole, respect dans le geste soit fait, respect dans l'attitude. Respecter position sur vous comme pas, comme pas. L'irriter maman, l'irriter pas, papa. Vous comprenez qu'il y a des décisions, vous prenez parole maman, parole papa, qui va peser lourd sur lui. Vous comprenez ça? Parce qu'on est adulte. Mais je me rappelle, mon vieux parole maman, papa, je me toujours dit. Je ne vais pas répéter là, non, parce qu'elle est un peu vulgaire. Mais on comprend qui côté me l'arrivait. Je vais paraphraser de façon. Sa grand monde d'aujourd'hui a même sous patent d'elle, ou bien pour elle demain. Ou bien pour elle demain. Pour qui ça? Parce qu'elle a une expérience passée. Elle a un vécu passé. Elle a un peu pour que j'aime. Elle a un peu connaît pour que j'aime connaît. Elle a un qu'elle vive pour que j'aime vivre. On est en pile fois si nous t'écoutons maman ou papa, non, il y a un pile erreur, pas d'affaire. Il y a un pile chemin, non, pas d'apprendre. Il y a un pile direction, non, pas d'apprendre. Et Koulian a dit, si m'te contendait, si m'te écouté ça, maman m'te dit, si m'te écouté ça, papa m'te dit, m'pas d'apprendre, ça m'y est, je dis.
besoin respecter position et sous comme pas. C'est le premier bagage au besoin faire. Deuxième bagage. Deuxième façon qu'a honoré papa avec maman ou besoin remain yo et estimer personne yo. Remain yo et estimer personne yo. Les aimer et estimer leur personne. Connais des monde qui pas fier pour présenter maman au devant société. Des monde qui sentit tellement qu'il est en grand niveau intellectuel, tellement élevé, côté à rentrer maman yo pas qu'à rentrer là, mais premier sou yo t'a mettre dans pour aller l'école là, il t'a mettre dans pied. Première fois t'a rentrer l'école là, c'est lui qui te prend mère pour le mener à l'école là. Estimer leur personne. Bay personne yo va valeur. L'honneur, il va au-delà du respect. L'honneur va au-delà du simple respect de position, mon nom est sous. Mais l'honneur aussi, il va jusqu'au cœur. Ce n'est pas par rapport à position, il est sous la position, je dis à lui, à position comme parent. Mais l'honneur va jusqu'au cœur. Le sage Salomon écrit dans Proverbe 23, verset 26, il dit, mon fils, c'est un père qui parle à son fils. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. En d'autres termes, c'est comme si papa a dit petit moins, m'a mis en place dans le cœur. Tant on voit au moment, cap dit petit moins, m'a mis en place dans le cœur. Tant on voit un papa qui peut être vieilli, qui sous bâton, qui a souffri, qui quelque part, dans une situation un peu difficile, mais cap garde un petit, il dit petit moins, m'a mis en place dans le cœur. M'a mis en place dans le cœur. Et Proverbe chapitre 31, verset 28, hein, il va parler avec les enfants. Il parle d'enfants qui se lèvent le matin et appellent leur père béni. Le texte l'a dit, eh bien, les toutes dernières paroles, il dit ça, on s'en après les papas, yo béni. Dans Malachie chapitre 4, verset 5, 6, il dit, le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Il y a une sorte de va-et-vient que papa a attaché à petite là, que petite là, il a attaché à papa. J'ai regardé sous les médias sociaux une jeune fille qui finit graduée comme doctorat en droit. Doctorat en droit. Mais maman n'a pas parlé par contre lui. C'est un gros causé. Il par contre lui. Mais elle poussait petite là jusqu'à ce qu'elle arrive à être docteur. Et petite ça, les jours de graduation, après graduation, elle lui retire la coiffe là. Elle mettait la coiffe tête maman. Si il y a un monde qui a gradué aujourd'hui, c'est maman. Si il y a un monde qui a gradué aujourd'hui, c'est lui. Parce que sans lui, il n'y a pas de côté mieux aujourd'hui. Peu importe la connaissance qu'on a, peu importe l'argent qu'on a, peu importe le rang social qu'on a, à répéter encore après bon Dieu, c'est maman, c'est papa. Après bon Dieu, c'est maman, c'est papa. À répéter encore, si je dis au cabal 10 gouttes, Balil avec respect. Balil y avec honneur. Balil avec mépris. Pas fait la prendre avec l'eau dans les yeux, non, mais fait le prendre avec quelqu'un qui est content. Pour lui, c'est ce mot pâle qu'elle te met dans la tête qui bat le jour d'y aller, on fuit qu'elle apprend avec quelqu'un qui est content. Estimer personne que maman ou papa ou il n'y a pas qu'à habiller même j'avais aujourd'hui. Hein. Parce que quoi a failli, quoi a faibli. Il n'y a pas qu'à marcher même j'avais aujourd'hui. Hein. Parce que quoi a faibli. Il n'y a pas qu'à parler, j'en t'ai souhaité le parler. Hein. Il n'y a pas qu'à exprimer, j'en t'ai souhaité l'exprimer. Là. Pas oublier, il n'y a pas de jambe comme ça depuis le commencement. Et je dis, on a besoin de balva, balvaleur. Je parle ce matin avec quelqu'un qui a son père et sa mère encore vivant. Je parle ce matin avec quelqu'un qui a son père et sa mère vivant, mais qui vit à distance, ou bien qui vit de près. Ben, maman ou papa ont valeur qu'elle mérite, qu'elle méritait. Souguin est vivant toujours, son privilège. Souguin est vivant toujours, c'est un privilège, son grâce. Pas fait ou crier.
Pas faire vous sentir triste parce qu'il y a vivre toujours. Mais faire vous content parce qu'il y a vivre toujours. Distinction, ça, c'est possible. Quand on parle de position sous comme parent, on parle d'estime qu'on doit bali. Personne ni qu'on doit valoriser. Peu importe type de parent qu'il t'a. Tu es capable de bien faire avec un parent qui n'est pas respecté. Mon. Un parent qui est irrespectueux. Ou tu es capable de bien faire avec un parent qui est alcoolique. Ou tu es capable de bien faire avec un parent qui est violent. Même Abdou Matéan, la Bible pas Bordeaux à ça. Ou rendre réciprocité. La Bible Bordeaux pour remettre. La Bible Bordeaux pour valoriser. La Bible Bordeaux pour respecter position que quelqu'un sous en tant que parent. La Bible Bordeaux pour remettre personne que lié. Peut-être je dis, oh, tu as souhaité qu'un parent, c'est un tel là comme parent. Ou tu as souhaité qu'un papa, frère, un tel comme papa. C'est maman, frère, un tel, ou tu as souhaité qu'un comme maman. Mais si tu es au début qu'elle te dit ensemble avec vous, tu as dit, c'est plus bon maman qu'on gagne. C'est plus bon papa qu'on gagne. Tu bagailles pour réaliser, elle m'a dit ça matin. C'est leur fait petite. Ou qu'on qui wole maman, qui wole mon papa. Et aussi longtemps pour gagner petite, c'est difficile pour saisir la réalité. Matin, m'a parlé avec un monde qui est maman le vivant toujours. Honorer personne qu'elle y a. Pas humilier, pas descendre. Ah, grand monde, ça m'a fait chacun contre mes corps. Ah, grand monde, ça m'a parlé. C'est comme si il n'y avait pas de place pour le là. Troisième façon qu'on est capable d'honorer par un. C'est là où soumettre à l'autorité. La Bible dit dans Luc chapitre 2, lorsque Jésus-Christ voyageait avec ses parents, la Bible précisait dans ce texte que Jésus-Christ était obéissant à leurs parents. Il était Dieu sur terre, mais il obéissait à leurs parents. Et la Bible insiste, dans le texte qui a été lu ce matin, Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, il dit « Enfants, obéissez ! » à vos parents, mais il ajoute une chose à la fin de ce verset premier. Car cela est juste. Car cela est juste. Lorsqu'on tendait papa à maman, c'est parce que ça, c'est juste, dit bon ange, bon ange, bon Dieu. C'est parce qu'il fait plaisir à bon Dieu. Parce qu'il fait grâce à bon Dieu. Nous racontons une histoire. Un couple qui t'a vivre ensemble, mais monsieur a un papa dans le cas et la cap vivre avec lui. Il est habitué à son table et à manger ensemble. Mais l'épée est arrivée dans l'âge, côté l'épée a pas qu'à kembe couteau à cuillère. Jean, tout le monde a doué kembe. Et après, il est sous tête l'épée parce que cuillère a tombé. Couteau a tombé. À un moment donné, il a décidé que le père a pas qu'à sous table encore. Il met les pères dans un petit coin pour le manger parce qu'il n'a pas qu'à respecter les règles de la bienséance sur la table. Souvent, je me pose peut-être une question. Qui est-ce qui te montre aux règles de bienséance sur la table? Ça te montre. Et il met les pères dans un petit coin. Il va le manger dans un petit bol. T'as coup bagaille. Donc, on a grand-mère, il y a un cochon manger en Haïti. Il y a manger là, parce que l'épée a pas qu'à soumoun encore, parce qu'il a tremblé, mais il n'y a pas qu'à kembe. Chaque fois, il y a un cuillère qui a tombé, couteau a tombé. Il continue à manger comme ça. La Bible, histoire racontée, histoire dit, un jour, pendant monsieur, il a observé, il y a un petit lio, il y a des timons, il y a joué un morceau de bois, qui a construit un petit grand-mère. Et puis, il m'a dit, Timonio, ça a fait. Timonio dit, papa, on a construit un petit grand-mère pour vous, pour leur grand monde. On a construit un petit grand-mère pour leur grand monde. Ça veut dire, même quand on met papa là, façon on met là, on a préparé pour tout. On a préparé pour tout.
Attention, hein, façon à traiter maman, papa. Petit tout qui là, il a observé. Petit kogen koun, il a regardé puis comment traiter papa ou maman. Maman, il a tendé comment parler avec yo. Il a tendé sujet de conversation, il a tendé comment reler dans tes grand monde, il a tendé comment faire briller dans tête li, il a tendé. Et il prend note. Il prend note. Quatrième façon, première façon, respecter position comme parent. Deuxième façon, honorer personne qui est hier, peu importe l'âge qui est arrivé. Troisième façon, on besoin soumettre tout avec comme ça tout à l'heure. Il y a un pile parole papa non maman non dit non si écouter, nous qu'à éviter un pile erreur. Quatrième façon pour honorer parents, c'est accepter discipline, nous accepter instruction. Ça, surtout, je m'adresse à ceux qui élèvent des enfants aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle aujourd'hui. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand. Mais plus loin, en Proverbe 1er, verset 8-9, il dit, écoute mon enfant, l'instruction que ton père, et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Car ils seront une guirlande pour orner ta tête. Comment ça en guirlande? Comment on met petit couronne avec ta tête, avec guirlande? L'instruction de ton père sera une guirlande qui va orner ta tête. L'enseignement de ta mère sera une chaîne pour parer ton cou. Pas gagne jeune qui dans salle là, pas gagne petit monde qui dans salle là et était même gars ça, il dit pasteur message ça, pas gagne jeune qui dans salle là. M'a dit un bagarre matin. Si ou gon zanmi ou k'ap manke respect à papa la maman. Rete loin moun ça, attendez. Si gon zanmi ou k'ap manke respect à papa la maman ni, ou besoin rete loin moun ça. Parce que pas gagne moun la respecter encore. La gécrit pour certains monde les monde gen zam nan même. La gécrit pour certains monde les monde gen foi nan même ni ka bat li. Mais sou elle pa manke maman a papa le dégât, li pa gen respect pour yo, c'est moun nou besoin camper loin moun ça. D'autres éléments, sou gon zami ka pa encourager ou pour manke maman a papa au dégât, zami ça le plus dangereux que un monde ka encourager ou prendre drogue. Li plus dangereux que un monde ka encourager ou prendre drogue. Soit la encourage ou de respecter maman et papa. Mais faites attention par rapport avec ça. Et bon Dieu, elle dit qu'on doit honorer maman et papa. C'est un commandement que lié. Et bon Dieu prend désobéissance à commandement ça très, très au sérieux. Bon Dieu prend désobéissance à commandement ça très, très au sérieux. Je vais aller très vite pour me dire que ça m'a pas m'a obligation ti moun nan même que j'étais là ou son ti moun tout parce que maman papa là moi même son ti moun maman papa m'pas là yo mouri malheureusement même considérant pile nan nous là nous t'es ka maman nous t'es ka papa nous gen respect ou non on considérer certaines personnes qui t'ai investi dans vie maman papa m'investi dans vie en pile. Mais il y a d'autres personnes aussi qui investissent dans la vie aussi. Moun sa yo, les rencontre avec yo, les parle avec yo, il y a beaucoup de respect, beaucoup de reconnaissance. Parce que yo mette dans la vie yon pierre qui est solide, je dis. Yo mette dans la vie yon pierre qui est solide, je dis. Bon Dieu, qui a un plan. Le plan de survie de l'enfant passe par les parents. Là? Le plan de survie de l'enfant passe par les parents. Bon Dieu, gon plan pour le prendre soin petit yo. Bon, comment le prendre soin yo? Il prend soin à travers pas. Mais en même temps aussi, bon Dieu, gon plan pour le prendre soin vieil yo. Il prend soin yo à travers petit yo. Il prend soin yo à travers petit yo. Bon jeune garçon qui tape pas là, papa. Il dit papa, ou gen intérêt à acheter Mac téléphone comme l'a acheté pour moi kounya parce que c'est moi qui vais choisir maison de retraite très bientôt. À comprendre ça le blé dit. À comprendre ça le blé dit.
Il y a intérêt, bam, ça m'a demandé au coulier. Parce que c'est moi qui vais décider, maison de retraite. Putain. Et ça, il y a des gens qui vivent actuellement. Il y a des gens qui sont dans le centre d'hébergement qui vivent ça actuellement. Il y a des gens qui sont dans le caille pour continuer qui vivent ça actuellement. Parce que vous ne pouvez pas vivre sa petite la tevle. Et petite la jodia livré yo seul. Il y a un yeux qui a gardé en haut. Il y a un Père céleste qui a gardé en haut. Je sens qu'il est arrivé trop vite pour me continuer à parler avec vous. Seulement toucher obligation par Timon qui a envers parents. Je ne vais pas toucher obligation par an. Je vais vous message. Dans le sujet, ça, il y a trois parties. Il y a obligation, il y a violation et il y a promesse. Là. Mais dans l'obligation, je vais dire qu'il y a obligation Timon, non. Il y a obligation pas. Je ne vais pas rentrer dans l'obligation par an. Je vais adresser ma voix matin. Tes parents vivants toujours. Il n'est pas vivant toujours. Mais fais preuve de respect. Fais preuve d'obéissance. Fais preuve de beaucoup d'humilité. Il va parler avec eux. Il va avec eux. Fais preuve beaucoup d'humilité. Et sois fier de ta mère. Sois fier de ton père. Peu importe le style qu'il gagne, je vous dis. Peu importe le langage qu'il gagne, je vous dis. Même s'il n'est pas capable encore. Mais on les paroles étaient importantes pour même s'il pas qu'à marcher encore. Mais on les s'il pas qu'un bébé on pas qu'à camper. Même lorsque il pas mal qu'à dire encore pour mal à dire ou pas qu'une valeur pour ou pas qu'une importance pour ou pas même t'as souhaité le parler devant moun parce qu'il tellement parlé l'aide ou pas voulu pour le parler devant moun pour pas faire honte. Bindou matin, sois fier de tes parents. Sois fier de ta mère. Sois fier de ton père. Et si encore vivant, dis Seigneur, quelle grâce que vous m'avez donnée d'avoir encore des parents vivants, d'avoir encore une mère vivante, d'avoir encore un père vivant. Il y a un vide, rien n'est pas qu'à combler. Seul bon Dieu. Vide, il y a un papa qui était dans la vie petite. Vide yon maman qui était dans la vie petite. A grand yon ka comblé, c'est la présence de Dieu. A te amendou yon bagay. Peu importe l'âge de tes parents. Respecte position comme parents. So. Respecte personne qui yon a. Honore personne qui yon a. Pas humilié. Et obéi à parole yon a pas l'avant. Koute instruction yon a pas. Puis marche avec yon. Sois fier de yon. Si bon monde dans salle là qui tend des messages ça matin qui gagne des années que papa l'a papa qui va parler avec maman qui gagne des mois va parler avec elle parce qu'elle était fort là qui va il y a monde qui vivre loin parents yo loin maman yo loin papa yo yo s'en fout des parents ça des maman ça parce que bon bagage qui t'est passé parce qu'il y a mine douille en bagage arrive là car prend téléphone là relé maman papa. Peu importe ça que tu es capable de passer entre moi ou même. Mais où était maman? Où était papa? Moi, même. Où est combien de temps? Où est par contre combien on était? Où est combien de temps papa et maman ont par contre combien on était? Quelques jours on était sous terre, permet qu'ils vivent dans la tranquillité, dans la paix, dans l'amour. Mais pas quitter à vivre avec souffrance parce que y a un petit qui parle tendre. Il y a un petit qui parle prendre qui parle communiquer avec eux. Il y a un petit qui parle dire bonjour. Il y a un petit qui s'en fout de comment ils vivent. Quelques jours étaient sous terre à faire vivre avec la paix. Je pense que bon Dieu a béni. Et le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter les musiciens et les solistes à me retrouver ici. Nous allons chanter ce cantique à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit l'honneur et la louange. Alléluia.
Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Sur le trône et à l'agneau.
élever ton nom. Nous voulons proclamer ton nom car tu es digne de gloire. À celui qui est assis sur le trône, soit l'honneur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'honorer à travers l'honneur que nous offrons à nos parents. Nous voulons t'honorer à travers l'honneur et les respects que nous avons envers nos pères, envers nos mères. Seigneur, apprends-nous, Seigneur Dieu, à avoir à prendre du recul et à regarder le chemin que nos parents ont parcouru avec nous. Et à regarder, Seigneur, les souffrances, les douleurs qu'ils ont acceptées, les pertes qu'ils ont acceptées pour nous en tant qu'enfants. Et aujourd'hui, on est mieux placé, Père, oh Dieu, pour apprécier ces choses, parce que nous sommes encore aussi parents. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous donner un cœur humble, un cœur honnête, un cœur sincère, afin de retourner vers nos parents, de retourner vers notre père, notre mère, pour lui dire que, papa, je t'aime, maman, je t'aime. Peu importe la nature, oh Dieu, de ce père, peu importe la faiblesse, peu importe les handicaps de ses parents, peu importe, oh Dieu, le manquement de ses parents, peu importe le type de langage de nos parents, aide-nous à valoriser nos parents, aide-nous à accepter sa position comme parents sur nous, aide-nous à être obéissants à sa voix, aide-nous à écouter ses instructions, aide-nous à être de ses côtés, eh bien, pour le temps et l'éternité. Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Console les cœurs de ceux, celles qui n'ont pas de parents vivants aujourd'hui. Mère, oh Dieu, renforce, oh Dieu, la capacité de ceux, celles qui ont des parents encore vivants, afin qu'ils puissent témoigner de respect, de l'amour, de l'obéissance, de la soumission, oh Dieu, puissent-ils valoriser leurs parents, la personne de leurs parents, Seigneur Dieu, en toute honnêteté. Bénis notre église ce matin, bénis nos frères, nos sœurs qui sont ici, et qu'ils puissent, oh Dieu, écouter cette parole avec humilité, et qu'ils puissent aussi l'appliquer de tout leur cœur. S'il y en a, Seigneur Dieu, qui avaient des différends avec leurs parents, s'il y en a, Seigneur Dieu, qui avaient des conflits avec leurs parents, nous te prions, Seigneur, de leur donner la sagesse qu'il faut, le courage qu'il faut et l'humilité qu'il faut, Seigneur Dieu, d'aller, oh Dieu, au cours de cette journée, de retrancher cette question et de vivre en harmonie avec leurs parents. Car c'est de cette façon que nous pouvons continuer à t'honorer, continuer à exalter ton nom, à glorifier ton nom. Comment pouvons-nous être, Seigneur, en harmonie avec toi? Si nous ne sommes pas en harmonie avec nos parents terrestres, comment pouvons-nous être en de bonnes relations avec toi, Seigneur, si nous ne sommes pas en de bonnes relations avec nos parents sur la terre? Seigneur, donne-nous ce courage, donne-nous cette capacité à être honnête et à vivre notre vie chrétienne dans une dimension où nous pouvons continuer à t'honorer via nos parents. Bénis-nous, Seigneur, et sois avec nous, nous te prions au nom de Jésus. Allez en paix, soyez bénis.